Hello, hello! Alors là, en fait, on est le 3 avril et aujourd'hui, j'ai été invitée à assister au showcase Virgin Radio où, comme invité, il y aura Loïc, comme d'habitude. Là, je vais prendre mon train et je vais rejoindre Lauriane, on va manger et après, on va rejoindre tout le petit monde. Et donc, je suis trop contente parce qu'encore une fois, je vais pouvoir avoir un Loïc. Je vois plus souvent Loïc que ma propre famille, donc bon. Sans commentaire. Donc je vous dis à tout. Bis bis. Véritable showman en plus, il adore la scène et il vous adore. Ouais. Applaudissements pour l'œil noté s'il vous plaît. Pour ceux qui me suivent, oui, ouais, vous savez sans doute que mon premier album est sorti vendredi dernier. Bah, bien sûr. Ouais. J'ai vu que t'as fait une réaction sur YouTube. T'es sérieux, tu m'affiches comme ça, hein? Mais attends, t'es allé chercher sur YouTube? Non, c'est pas moi qui t'ai cherché, on me l'a montré. Qui t'a montré? Des gens du staff. Oh mon dieu! T'as pas tout regardé, j'espère. Ah si, j'ai vu quand tu dansais sur ça. Oh non! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. Mais je veux aussi chanter, voilà, deux reprises. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop contents des reprises, mais voilà, j'ai vraiment le droit de... Je bois juste un petit coup. Bah, juste un petit coup et on démarre. Un petit coup. Alors, la première reprise que je vais faire, je vais commencer par les reprises. C'est la chanson Chandelier de Sia, parce qu'en France. C'est beaucoup. Je savais plus c'était. Bah, au pire, tu prends les trois. Bah, oui, quand même. Oui, comme ça, après, je vais pisser quand j'ai. Ouais, ouais. Alors, la deuxième chanson, c'est aussi la dernière reprise que je vais faire aujourd'hui. Tu fais toujours les mêmes, donc comme vous. Bah, oui, parce que je les aime bien. Bah, alors, si vous la connaissez, vous la chantez avec moi, d'accord? D'accord, en fait, ouais. Vas-y, on va éteindre.
La prochaine est de moi. Ouais! Millionize! C'est une chanson qui est très très importante pour moi parce que c'est l'une de mes préférées dans l'album. Et aussi, elle parle de choses importantes pour moi. Voilà. Et j'espère qu'elle parlera à beaucoup d'entre vous. Et, Les paroles, elles étaient trop touchantes. Ouais. Non, je suis un psychologue. Tu vas aider beaucoup de monde. Toi, tes paroles, elles vont aider beaucoup de monde. Ouais. Franchement. Ouais, merci. Mais toutes les chansons de ton album. Hein. Vraiment. Ouais, merci. Elle vient de me dire que les paroles de tout l'album allaient aider beaucoup de monde. Donc voilà. Donc, ouais. C'est vrai. Ouais. Et voilà, bah, ceux qui la connaissent, parce que je sais qu'il y a des Belges dans la salle. Non. Mais il n'y a pas besoin de Belges. Bah, d'accord, tous ceux qui la connaissent, pour la chanter. Voilà, merci. Je vais t'entendre, hein, de quoi. Là ton nouvel album, genre même un petit refrain, genre un petit truc. n'importe quoi tu choisis. Dirty, ouais, elle est magnifique celle-là. Dirty, j'ai un petit trou. Non, bah, n'importe laquelle choisir. Celle que tu veux dire. Est-ce que je t'ai un My conscience has been poisoned, infected by hate that has broken the thoughts buried in my mind. Confident now, fighting my own self inside. Stay up, 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 stay
micro, donc c'était moche. Voilà. D'accord. C'était raté. Voilà. Non, c'est pas grave. Donc forcément, c'est un peu les vacances grâce à vous aussi, parce que c'est vrai que t'as une basse fan assez incroyable qui arrive à te suivre à chaque fois. Et je peux comprendre qu'à chaque fois, c'est plutôt cool. Beaucoup de fans français qui voudraient savoir si... On est en train de les perdre, hein, je crois. Il faudra que tu les interdises du premier rang au Trianon et à la salle Playel, parce que sinon, tu ne pourras pas tenir tout un concert. Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vais à la FNAC de Paris-Saint-Lazare, puisque Loïc va faire un showcase et une dédicace! Et du coup, je vais partir maintenant, il est 9h, je vais arriver vers 10h sur Paris. Et je vais attendre mes amis, j'allais tous ensemble, comme d'habitude, la team. Et voilà, je vais vous vlogger cette journée. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à tout à l'heure. Arrête, t'es pas vrai de là. Mais oh, c'est vrai, genre j'étais là. Coucou. Pourquoi tu as acheté? Acheter sa Infocratie. Album de l'année 2017. Je suis mort, les gens ils regardent en plus, c'est ça le pire. J'aime beaucoup. Selfocratie. Acheter sa Infocratie. Écoutez, le téléphone. Écoutez, c'est ça. Vous avez vu comment ça apaise votre corps et votre cœur? Il faut l'acheter! En yaourt, parce que vous savez que ça passait pas en yaourt, c'est en fait on a aimé le fruit d'avoir, mais il n'y a pas vraiment de l'eau. Donc par exemple, pour Lyonnaise, le yaourt, ça pouvait être Bande, Bongaoué, Yonamundabu. On a quand même la mélodie. Et dans Mode Bleu, il y avait ça, mais il y avait quand même le mot Mode Bleu qui ressortait. Et c'était une belle coïncidence qu'après, je me suis rendu compte, parce que je n'ai pas lu les livres en anglais, je n'ai pas vu les films en anglais, que c'était un hommage à Harry Potter aussi. Donc, ça tombe très bien, parce que j'adore Harry Potter. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we need the man to be free. Yeah, we got demons, demons stuck inside our blood. On va passer aux dédicaces. Bah non, on veut pas, hein. C'est sûr, on est là pour voilà. Ça. Hein. Juste 5 minutes, je vais juste m'essuyer un petit peu et là, je vais partir dans pas longtemps parce que je vais retrouver mes copines à 13h puisqu'on va aller à Sony ensemble. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va voir Loïc
Donc voilà, et je vous amène avec moi, comme d'habitude, pour cette semaine de folie. Voilà. Salam alaikum. Alors, je suis de retour chez moi. J'ai juste passé la meilleure journée de ma vie, je crois. Et je remercie infiniment Sony, Loïc et toute ma team. Pour juste résumer la chose, en fait, on est allé à Sony aujourd'hui pour écouter l'album de Loïc en entier. Une fois qu'il y a eu l'écoute de l'album, on a eu, on va dire... une rencontre avec Loïc et on a pu lui parler pendant à peu près une heure. Et ça, je peux vous dire que c'était juste magique, quoi. Je peux pas, il n'y a pas d'autre mot pour vous dire ça. S'il n'y a pas de vidéo de ce meeting, en fait, tout simplement parce que j'ai pas voulu filmer. Pour une fois, je voulais vraiment avoir un moment à moi, un moment de partage. Je voulais pas qu'il y ait un téléphone juste devant moi qui filme, enfin... De toute façon, moi, quand je filme toujours d'en bas pour regarder l'artiste. Mais je voulais vraiment que ce moment, il soit intime. Donc, j'ai
pas voulu filmer du tout. Là, dans tous les cas, ça reste gravé dans mon cœur et dans ma tête. Ça a été vraiment le plus beau moment de ma vie. Je sais pas si un jour ça se reproduira, mais je suis extrêmement reconnaissante. Vraiment. Pour résumer un peu la chose, on a surtout déconné. On est arrivé, il s'est posé sur une chaise, il a fait bon. On fait quoi? Déjà, il te met bien quoi. Discuter de tout et de rien. Si vous voulez une petite info par exemple, tous ceux qui seront là à la baie le 22, le 23 avril, nous a clairement dit venez en t-shirt parce qu'il va faire trop chaud, vous allez dégouliner, vous allez transpirer. Et il nous a dit aussi, parce que du coup je lui ai demandé, je fais c'est-à-dire que vous te verrez aussi en t-shirt. Et il a dit non, moi je vais rester comme d'habitude. Moi je ne suis pas Justin Bieber. D'accord Loïc. Voilà, enfin bref, il nous a bien fait rire, il a sorti des conneries comme d'habitude, il nous a parlé de son iced tea gazeux. Après bon bah mes potes elles l'ont un peu charrié, on l'a tous un petit peu charrié. À un moment donné je lui ai dit qu'on avait tous pleuré à la fin de l'écoute de son album, parce que tous ensemble en plus je trouvais que c'était vraiment émotionnel franchement. Puis il m'a regardé et fait toi je sais que t'as pleuré, je t'ai vu dans ta vidéo hein. Merci Loïc. On a parlé des cadeaux qu'il a reçus, on a parlé de la FNAC la veille. On a parlé vite fait de sa tournée. Enfin, on a un peu parlé de tout, donc ça serait trop long de vous expliquer tout ce qu'on aurait dit, mais c'est vraiment un résumé, quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été génial, il a été vraiment gentil, il a pris du temps pour faire plein d'autographes encore, plein de photos. Voilà, il a été très patient, il a été... Enfin, ce qui est bien avec Loïc, c'est que c'est un Belge, enfin... Moi, enfin, ma mère, elle est belge, donc du coup, voilà, les Belges, ils sont comme ça, c'est-à-dire, c'est du tac au tac, comme ça, c'est... Voilà, ils sont directs, et voilà, quand ils ont un truc à dire, ils le disent, et voilà, enfin, c'est ça que j'aime bien avec Loïc, c'est que, voilà, c'est... Il parle, il dit un gros mot, il dit un gros mot, voilà, c'est comme ça, et j'adore, en fait. Je trouve ça beau, un artiste comme ça, et je sais qu'il va toujours rester comme ça, et voilà. Je pense qu'on peut être fier de supporter un artiste aussi talentueux, aussi sincère, aussi complet et aussi gentil. Et voilà. Enfin, après, je crois qu'il a été content de nous voir parce que quand il nous a vus, il a fait un grand sourire. Après, on était avec d'autres gens. On a eu le droit à de la nourriture gratuite. Alors, Aïcha, elle est partie. Hein. Je vous dis pas le truc. Elle a vu la nourriture, elle est partie sur les muffins et tout. Franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Vraiment. Pas parce que j'ai vu Loïc, mais en même temps, j'ai pu partager ça avec mes amis. Et je peux vous dire que partager une passion commune avec des amis, c'est juste extraordinaire. Et sachant que voilà, je les ai tous rencontrés sur Twitter, c'est des rencontres internet. Et c'est là où je me dis que les rencontres internet, c'est l'une des plus belles choses qui existent. Et voilà. Et donc pareil, je remercie Clémence, voilà, toi-même tu sais. Et je suis extrêmement reconnaissante pour tout ça parce que je me dis que j'ai vraiment de la chance. Et je sais que beaucoup de personnes... aimerais être à ma place et je vous le souhaite énormément. J'ai passé une semaine de folie. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai un petit creux au cœur là. Parce que je me dis, toutes les belles choses ont une fin. Je sais plus quoi dire d'autre en fait. En fait, j'ai tellement de trucs à dire, mais j'ai pas envie de prolonger cette vidéo encore et encore parce qu'elle va déjà être assez longue comme ça. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le 22 avril à la baie en Belgique. Et j'ai tellement hâte parce que ça va être son premier concert. Et je pense que c'est de la pure folie parce que je sais comment les Belges sont et ça va être vraiment genre... ils vont foutre le feu, voilà. je vous dis à la prochaine. Allez, bis bis.